Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, on s'étape note d'une nouvelle information, une fois de plus du côté du Mali. Ségal, la prof, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, attendu en février. D'après mes informations, Ségal, la prof, ministre des Affaires étrangères de la Fédération russe, est attendu au Mali pour une visite de 48 heures. Parmi les dates d'annonce les 6 au 7 février, a relevé le journaliste Serge Daniel ce dimanche 29 janvier 2023 sur le son compte Twitter. Ali aussi, la Russie prête à discuter d'un échange prisonnier avec les États-Unis. Notons que les relations entre le Mali et la France se sont davantage renforcées avec la venue au pouvoir d'Assimi Goïta, le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale. Abdoulaye Diop a été d'une délégation de 3 autres membres du gouvernement, a été reçu vendredi 20 mai 2022 à Moscou pour son homologue russe, Ségal Lavrov. Rapporté l'agence malienne de presse, après un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux autres membres de la délégation malienne composée des ministres d'économie et de finances, des mines d'énergie et d'eau, des transports et des infrastructures, le chef de la diplomatie russe a offert un déjeuner en l'honneur de ses hôtes, a fait savoir le site d'information. Le chef de la diplomatie russe plaide pour l'affranchissement du partenariat politique, économique et militaro-technique, selon Radio France Internationale. Sur ce dernier point, le chef de la diplomatie russe a noté la bonne dynamique des relations entre deux pays, malgré les différences dans la communication. Bamako affirme qu'il s'agit d'une coopération sécuritaire entre l'État, quand Moscou à plusieurs reprises assure que ce sont les entreprises privées qui opèrent au Mali, a pointé les médias français. Restez toujours coutant, commentez et respectez les règles de la communauté. N'hésitez pas à nous laisser un pouce et abonnez-vous.